La dernière, là, non ? On a drôlement bien fait de mettre tous les types qui bougent dès le début. Ah bah je vais me faire toute la suite assise, on va pas se cacher. Miaou. Vous allez bien? Pardon? Alors vous savez que d'ici, je sais pas vous, mais d'ici c'est plutôt pas mal ce qu'on voit. Est-ce qu'on peut éclairer un peu plus la salle, s'il vous plaît? Ah, bah oui. D'ici, c'est plutôt très, très, très sympathique, ce que je vois. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Un petit peu moins par là, je sais pas pourquoi. Non, j'ai besoin de vue. Niveau gauche, je ne vois rien. Je le dis tout de suite. Alors. Une fatigue, ce concert blanc. Oh là 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 là. Alors, je vous présente Philippe, qu'on peut applaudir très, très fort. Il a fait une intro pour... Une intro type qui va durer, je pense, 25 minutes, le temps que je reprenne la soupe. Comment ça va tout là-haut? C'est ça. Comment ça va tout là-haut, mais encore plus haut? Vous voyez, là-haut, là-haut. Oh, incroyable! Alors, tout à l'heure, j'aimerais peut-être vous voir, mais il se trouve que l'autre jour, ma pauvre dame, je suis à Toulouse, pour le coup. Bah, le mec de sécu, mais quand même un quart d'heure à me faire monter, pas du tout, je voulais. Bon, pour le coup. Ah bah les gens se sont dit c'est génial cette partie du concert, pour le moment ils chantent plus le con, ça nous fait un vrai break, vous voyez. Si si, bah il y a des gens forcés, il y en a toujours. D'ailleurs ce soir je sens qu'il y en a. Ah si. Oh, attendez, BK. Si si, ça sent le mari forcé dans la salle, je sens. Par là, tiens. Ça c'est la charge de revanche souvent. Alors les maris forcés on les remarque dès le début du concert, je vous dis, ah bah. Si si, parce que c'est ceux, vous voyez, dès la première chanson, tac! Parce que pour le coup, ils sont forcés et en plus, dis donc, ils se prennent lumière en pleine tronche. Ça fait beaucoup pour la même personne et alors on les remarque tout de suite parce qu'on voit souvent la dame à côté qui a froid. Qui est là, qui veut partager avec des amis, mais elle est seule. La pauvrette, elle est venue avec son mari. Bon. Alors elle est large, elle est là. Putain, c'est insupportable, j'en ai prendre le spot dans la gueule en plus. Allez, c'est ça. Alors on a ça et alors pour le coup, vous voyez. Oui, ça me permet de faire un peu de sport. Vous voyez, par exemple, alors on a des petits micros. Vous avez remarqué, vous? C'est juste pour montrer mon corps. Non, vous avez remarqué? On a des petits micros, mais il n'y en a pas pour le coup. Dis donc, si. Ah, si. Voilà. Il y a des petits micros qui sont inscrits. Vous avez remarqué qu'on a ça. Vous avez remarqué les petits écouteurs? Non? Il y a monsieur qui dit, on s'en fout, tais-toi, chante. Ta gueule. Voilà. Si on a des petits écouteurs, c'est fait pour mieux entendre la musique. C'est-à-dire que si je chante faux, c'est bien de ses écouteurs, c'est pas du tout de ma faute. C'est pas Alex. Non, on peut le dire très fort, Alex, qui fait notre son. Alex et Thomas. Voilà, on peut applaudir très très fort. Et n'empêche qu'avec ces petits micros, on entend des trucs absolument incroyables. Surtout les premiers rangs. Ah bah si, qui de toute façon, en plus, à chaque concert, se remettre au premier rang. Ça veut dire qu'il n'a pas bien compris que cette chanson, elle n'est pas du tout, on va lui redire demain. Et alors souvent, avec ces petits micros, on entend des choses incroyables. Alors souvent, les maris forcés, la première réflexion, c'est « Oh !» Oh, et ben dis donc. On vient de se farcir 20 minutes, je connais aucune chanson. On va se farcir ça 2 heures, ta connerie? Ben c'est si. Alors il y en a qui se sont trompés, on peut carrément que c'est Christophe Maé qui les voit. Ça, ça jette un vrai froid. Ah bah une angoisse. En sortant, il y a des disputes et l'on s'arrache les cheveux, c'est horrible. Si, une femme était ensemble, je vois. Non, ça c'est parce que je veux que ça c'est bien. Bon bref, alors. Et donc du coup, dans ces micros, on entend des choses. Donc on entend les maris qui crient, on entend des gens, et ça c'est depuis, je pense, la tournée précédente, je crois. On entend des gens dire, mais c'est incroyable. Je ne me voyais pas si beau, hein. Oui. Mais c'est souvent effectivement le premier rang où les gens très très loin qui leur voient rien du tout. Pour le coup.
Et du coup, on s'est dit aussi dans les observations, des choses qu'on entend dans les micros, on a aussi des gens qui disent alors, explique-moi l'histoire. L'album s'appelle Rio et on vient de se prendre de la guitare électrique pendant 20 minutes. Bon. Donc il y a un petit moment de flottement à ce moment-là et c'est pour ça que j'ai travaillé très dur. Si. Tout le monde rigole au moment où je dis ça. J'ai travaillé très dur. Oh le con. Si. J'ai travaillé très très dur pour faire une petite chanson, oui madame, en Brésil. Alors, est-ce que pour mettre un petit bruit de vague et qu'on soit genre au bord de la plage? Doucement, papa. Je t'ai déjà dit, ça fait un peu un bruit de chasse d'eau celui-là. Doucement, quand même. Alors.